et je lui enlevais le pixel précédent. Ou bien je prenais un filtre, donc mon filtre. Je vais insérer une petite forme, mon filtre, et mon filtre à l'intérieur, j'aurai deux valeurs. Donc j'ai un, ici, et j'ai un ici. Vos commentaires. Je reviens. Donc, pour ma première dérivée, donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie ce vecteur par ce vecteur. Et le résultat, je vais le mettre dans mon premier pixel. Donc, 0 fois moins 1 plus 12 fois 1. Donc, ici, j'ai un 12. Ensuite, je vais mettre en noir ça. Ensuite, je prends cette partie. Je prends cette partie. Et je multiplie. Donc, 12 fois moins 1 plus 53 fois 1. Donc, j'aurai 53 moins 12. Ça me donnerait quelque chose qui se rapprocherait de 42. Ici, j'aurai 42. Et je fais exactement la même chose pour tous mes pixels. Donc, pixel suivant, moins pixel précédent, c'est exactement la convolution. Donc, c'est quoi une convolution? Encore une fois, la convolution n'est autre qu'une multiplication et une addition avec un masque. Donc, si j'ai un... de mon filtre. Et le résultat que j'ai déjà préparé pour vous. Donc voici le résultat. Donc par rapport à X, par rapport à Y, donc c'était 12. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que j'ai un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Non, on n'entend Le son se rien. coupe normalement. Oui, malheureusement, je le vois sur ma machine, sur mon PC, j'ai complètement perdu la connexion. Heureusement que sur le téléphone, il y a toujours la connexion. Donc, attendez une seconde, je vais essayer de récupérer ma connexion sur la machine. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous m'entendez? Très bien, donc on continue. Alors, donc, comme je vous disais, je prends la colonne. Alors, je prends la colonne, je lui enlève la colonne précédente ou bien je multiplie par un filtre. Donc, je prends ces deux pixels, je multiplie par le vecteur qui est moins 1, 1 et j'aurai comme résultat la valeur 12. Les prochaines deux valeurs, donc 53 et 12, je multiplie par moins 1, 1 et j'aurai donc cette valeur 41. Qui était donc 53 fois 1 plus 12 fois moins 1, ou bien 12 fois moins 1, donc moins 12 plus 1 fois 53, et ça me donne exactement 41. Ici, c'est tout simplement la dérivée de l'image par rapport à Y. Donc, on a considéré que Y, c'est les colonnes de mon image.
Et si je réfléchis inversement, c'est-à-dire que je prends les repères mathématiques, ça va être la dérivée par rapport à y, et ça va être la dérivée par rapport à x, tout simplement. Donc ça dépend de mes repères. Donc lorsque vous calculez la dérivée de votre image, vous devez être sûr du repère que vous êtes en train d'utiliser. Donc dérivée par rapport à x, dérivée par rapport à y, on a calculé, c'est très simple, c'est la multiplication de ma matrice, chaque, donc avec la taille du filtre, je multiplie et j'additionne. Multiplication, addition, c'est l'opération la plus facile au monde dans les matrices. On n'est pas en train de faire de la multiplication matricielle, on est juste en train de multiplier, on appelle ça pixel-wise en anglais, donc c'est pixel par pixel. Donc ça, c'est donc ce qu'on avait parlé ce matin, c'est le calcul basique de la dérivée. Pixel suivant moins pixel précédent, ou bien la fenêtre du pixel multipliée. La dérivée qui était l'amélioration, donc Sobel et Prewitt, c'est ce filtre avec cette image. Donc si je prends cette image, je vais poser ici mon filtre, comme ça on peut voir le résultat. Donc je vais prendre la dérivée par rapport à x et je vais appliquer la convolution. Alors ça j'enlève et ça je vais mettre ici pour bien voir. Alors. Donc, ce que je vais prendre maintenant, au lieu de prendre ces deux pixels, je ne vais pas prendre ça, mais je vais plutôt prendre une fenêtre qui est de 3 fois 3, qui est de 9 pixels. Pourquoi? Parce que mon filtre est de 3 fois 3. OK, one example sur la dérivée simple. Donc, la dérivée simple, je reprends, il n'y a pas de souci. On va chercher une nouvelle forme pour l'utiliser. Une seconde. Je vais mettre ma dérivée, mon masque de dérivation plutôt. J'insère le masque. Et donc, le masque de dérivation, donc on avait dit par rapport à Y, donc ça va être 1 plutôt, moins 1. 1. Donc voici le moins 1, voici le 1. Ce que je fais pour la convolution, c'est tout simplement, je le multiplie par ce vecteur premier. Ensuite, la même chose, je prends ce vecteur, je le multiplie par ce vecteur. Ensuite, je prends ce vecteur, je le multiplie par ce vecteur. Donc à chaque fois, je me déplace. Je peux vous mettre des couleurs. Donc je prends ce vecteur, d'abord, je le multiplie avec ce vecteur. La valeur que je vais trouver, je vais la mettre dans le premier pixel. Exactement la même chose. C'est exactement ce qu'on a fait ce matin et c'est ce qu'on a dérivé par rapport, c'est ce qu'on a déduit. On a dit, j'utilise un masque, soit je me rappelle que la dérivée, c'est f de xy lorsque je parle des y et c'est f de x plus 1y moins f de xy. Lorsque je suis en dérivée par rapport à x. Et on s'est dit, au lieu d'apprendre cette formule, je vais seulement utiliser un masque. Pourquoi j'utilise ce masque? Pour passer au masque plus compliqué, qui est le masque de Sobel et Prewitt. Le masque de Sobel et Prewitt nous ont dit, au lieu de prendre seulement deux voisins, je vais prendre une fenêtre de 3 fois 3 et qui va me donner une meilleure réponse de cette image. Et c'est ce qu'on va faire. Ça, remplissage. Donc, madame, la convolution, c'est quand on utilise les masques. C'est quand on utilise les masques. C'est ça la convolution. J'ai utilisé ce masque, je l'ai appliqué sur ces deux pixels, j'ai obtenu un scalaire. C'est ça une convolution. Utilisation d'un masque sur une image pour obtenir un scalaire et non pas une autre matrice.
C'est une convolution. Vous avez vu la transformée de Fourier qui fait partie du domaine fréquentiel. Et nous, là, on est dans le domaine spatial, c'est-à-dire que je vois les pixels. Chaque pixel représente une couleur. Et on dit que la convolution dans le domaine spatial, c'est une corrélation dans le domaine fréquentiel et inversement correct. Donc, convolution dans le domaine spatial, c'est juste l'utilisation d'un filtre que je calque sur mon image et que je déplace avec un pas, soit un pas de 1, soit un pas de 2. De deep learning, vous aurez l'occasion d'utiliser deep learning. C'est ce qu'on appelle le stride. Donc le stride, c'est combien je vais me déplacer sur ma matrice pour faire la convolution. Vous voyez ici, si je prends cette matrice, je la calque ici, c'est quelle valeur que je vais trouver? Si je prends mon filtre, donc on va supposer que ça, c'est le filtre de pré-8. Donc le C est égal à 1. Donc ça, c'est pré-8x. Si je prends ce filtre, qui est le filtre de pré-8, je le place sur cette partie. Où est-ce que je vais mettre la valeur résultante? Donc ça, j'enlève. Où est-ce que je vais mettre la valeur résultante? Je sais. D'abord, je vais calculer avec vous la convolution. La convolution, ça va être premier élément fois premier élément, plus deuxième élément fois deuxième élément, plus troisième élément. La convolution, comment je vais avoir ma convolution? Ça va être moins 0 plus 0 plus 53 plus donc moins 57 moins 57 0 plus 12 plus moins 65 plus 0 plus 93. Donc vous voyez que j'ai pris moins 1, j'ai multiplié par 0, 0, j'ai multiplié par 12. Le C, how we define it? Le C, ça dépend. Soit vous êtes sur pré-8, soit vous êtes sur Sauvel. Ce que vous avez fait en cours. Lorsque c'est un filtre pré-8, C est égal à 1. Lorsque c'est un filtre Sauvel, C est égal à 2. Hein? On vous dit, faites la convolution avec le filtre pré-8. Le filtre pré-8, je remplace la valeur C par 1. Si je vous dis appliquer la convolution avec le filtre Sauvel, C avec 2, tout simplement. Great. Donc, on continue. J'ai trouvé ici une valeur. Donc, ça va me donner 0 moins 0, donc c'est 0. Donc, ça va me donner 53 plus, alors, moins 57 moins 65 plus 93. Donc, ça va me donner, je suis mauvaise en calcul mental. Donc, ça va être 53 plus 12 moins 65 plus 93. Donc, j'aurai 36. Alors, la valeur 36, où est-ce que je vais la mettre dans ma matrice? Le masque de convolution, je l'ai appliqué sur la première partie de l'image. Et ce 36, quelle ligne et quelle colonne? Normalement, on fait place 32 là, là. Très très bien, très très bien. Fais place 32, exactement. Donc ici, je vais mettre un 36. Et donc, ce que je vais trouver, je vais le mettre dans le pixel du milieu. Ensuite, je vais appliquer ce filtre. Sur quel pixel? Quelle ligne et quelle colonne je commence? Je commence par quelle ligne et quelle colonne pour appliquer ce filtre? Je dois le glisser sur mon image. Zéro, zéro. Ding.
On ajoute un padding. OK, on ajoute un padding pour trouver les valeurs qui sont là. Vous voyez que la première valeur, c'était à la place de 32. Donc, on a ignoré ces valeurs. On va dire que je ne veux pas ajouter. Pour le moment, je ne veux pas ajouter de padding. Je vais faire l'opération très simple. Quelle sera la prochaine opération? Donc, ça, on a calculé. La prochaine opération de convolution. Qu'est-ce que je vais multiplier par moins 1? Moins 1 fois combien? Moins 1 fois quoi? Rappelez-vous, je dois calculer la dérivée de mon image sur toute l'image. Donc, je dois faire passer ce masque sur toute mon image. Prochaine opération. Première opération, j'ai multiplié ce masque par cette sous-matrice. Opération, je fais la même chose. Je multiplie ce masque. Donc, j'applique la convolution. 85, comment on a trouvé 85? Mustapha, comment on a trouvé? 85, comment vous l'avez trouvé? L'opération que vous avez fait. Normalement, madame, c'est moins 12, moins 32, moins 85, plus 32, plus 225, plus 239. Alors, moins 12, moins 32, moins Moins 32. 85, plus Plus quoi? 32, plus 2, plus Très, 32, très bien. plus 225. Ouais. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Plus 239. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris maintenant cette partie et on a appliqué. Et on a appliqué donc ce filtre. Donc c'est moins 1 fois 12 plus 0 fois 53 plus 1 fois 32 plus moins 1 fois 32 plus 0 fois 12 plus 1 fois 227 plus moins 1 fois 85 plus 0 fois 93 plus 1 fois 239. Il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus facile que la convolution. Et c'est pour ça que le deep learning extrêmement utilisé parce que c'est très facile. C'est facile à calculer. Une convolution, il n'y a pas plus facile mathématiquement à calculer. Aucune contrainte. La seule contrainte, c'est qu'on va perdre les pixels de bord. Pour gagner les pixels de bord, je vais rajouter des zéros. Alors, vous avez trouvé donc du coup 85. Où est-ce qu'on va mettre 85? À la place de quoi ici? À la place de quoi dans cette matrice verte? La Très place de bien. 12. Ici, à la place de 12, tout à fait. Ça, madame, علاش ما بدين لا كونفولوسيون من لاندي 0 0؟ هي نورمالمون هكا تمشي على كاع الماتريس، ماشي تبدا من 0, 0. 32. فاش نمولتيبليي، فاش نمولتيبليي، دونك انا لازم ندي هذا في 3 فوا 3 و 0 هم لي فوازان تاعو. دونك 0 لي فوازان تاعو عندي غير سي جو ريبون ايسي هاو ديك 0 عنده غير هاد لي 3 فوازان. Donc, je peux multiplier seulement avec ça. 0, Oui, avec parce mon que pour mettre, qu'est-ce que je fais du coup? 0, 12 Qu'est-ce que fois je 1 fais? plus 32 fois 1, là, maintenant. 12 fois 1 plus Je les 32 vois fois bien 1, qu'il faut. ou Ah. 55, 3, ou 0, et ou hadouma, ou chindelobéham. Multiplier Parce que ma par 3 adnash, fois 3. Andnash, oui. ma adnash les valeurs, oui. Donc, en fait, une des méthodes. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, qui est en train de parler? Souhaïr, Je n'ai c'est pas ça? demandé. Donc, ce que vous êtes en train de dire, Abdelkader, c'est je multiplie par des zéros. En fait, la partie Kamel, je vais la multiplier par des zéros. Pourquoi je multiplie par des zéros? Parce que dans ma matrice, je vais justement ajouter des zéros. Donc, j'insère des lignes au-dessus et dans ces lignes, je vais mettre des zéros partout, justement pour ne pas perdre tout ça. Et je fais la même chose pour la colonne. Donc, je vais insérer des colonnes à gauche et ici, pareil.
Est-ce que je trouverai mes colonnes alors? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc je suis en train de dupliquer. Pourquoi je rajoute des zéros alors que vous savez que 0, ça va partir de toute manière. Je vais juste l'ignorer. Mais je rajoute des zéros parce que j'aurais pu ne pas rajouter des zéros. J'aurais pu rajouter le miroir de mon image, c'est-à-dire prendre la dernière ligne de mon image, et ici, au lieu de mettre un 0, j'aurais mis 146. J'aurais pu aussi mettre ici un 0 et mettre ici un 12. Mettre ici un 53. Donc, tout ça, c'est des méthodes. Je peux faire ce que je veux de cette bordure selon le résultat que je cherche. Je multiplie par 0, je vais me dire. Ça va pas affecter, donc tout ce qui sera affecté, ça va être les pixels après. Mais peut-être le zéro va me fausser mes calculs, vu que mon pixel est égal à 0. Donc je suis en train de dire qu'il n'y a pas de changement. Mais si mon pixel était égal à 230, je vais dire qu'il y a un grand changement. Et du coup, je vais me dire, ici, j'ai une dérivée, j'ai une grande dérivée, mais c'est faussé. Justement, mon pixel est égal à 200 ici. Alors que le pixel d'avant, je l'ai mis à zéro. J'ai rajouté un zéro padding. Rajouter un zéro padding peut me fausser mes calculs. Encore une fois, c'est une mesure, c'est quelque chose où l'utilisateur est libre de faire. L'utilisateur peut rajouter des zéros, peut rajouter une duplication, peut rajouter une moyenne de sa matrice. Il y a plusieurs méthodes pour ne pas perdre cette dimension. Je pense qu'il y a encore une autre déconnexion, malheureusement. C'est incroyable. Est-ce que vous m'entendez au moins? Parce que là, j'ai perdu ma connexion sur ma machine. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Je repartage du coup. Une seconde, je vais repartager mon écran. Okay. Je vais mettre le chat. Et je reviens. Donc, très simple. Donc, ma convolution est de l'appliquer sur mon image et d'avancer avec un pas. Généralement, on avance avec un pas. C'est-à-dire que je fais ma convolution sur cette partie, la partie rouge. Ensuite, j'avance avec un seul pixel, c'est-à-dire que je vais utiliser cette partie. Avec un seul pixel, c'est-à-dire que je vais utiliser cette partie. Ensuite, j'avance avec un seul pixel, donc je vais utiliser cette partie. Alors, c'est 3 fois 3, hein. Ensuite, j'avance avec un seul pixel, donc j'utilise cette partie pour faire la convolution qui, on l'a vu, convolution égale multiplication addition. C'est tout. Ni plus ni moins. Cette partie, j'avance. Cette partie. Et enfin, je ne peux pas pour cette valeur, donc je vais rajouter un zéro padding pareil. Donc ici, je vais mettre la même chose que j'ai mis ici. Donc des zéros partout pour justement trouver la dérivée par rapport au pixel de bord. Je fais ça aussi par rapport aux lignes et j'aurai exactement la même taille dans le résultat de mon image. C'est-à-dire que je vais perdre cette ligne et cette colonne que j'ai rajoutée avec des zéros. Et je vais retomber sur la taille n fois m de mon image. Voilà. Donc le résultat que vous devriez avoir est à ceci. Donc le gradient par rapport à y et par rapport à x, ça c'est simple. Avec le filtre moins 1, 1. Avec le filtre Sobel et Prewitt, on trouverait autre chose. Laissez-moi juste chercher Prewitt et Sobel.
Voilà, donc pré-8 et Sobel, voici le résultat. Et donc, vous voyez bien que ça va être de la même taille, vu qu'on va rajouter des zéros avant et après. Maintenant, la dérivée avec un filtre simple. La dérivée avec le filtre Sobel et pré-8. Il y a autre chose qu'on appelle la deuxième dérivée. Et ça, vous l'avez vu. Si vous vous rappelez au lycée, vous faisiez f' de x. Et vous faisiez aussi f2' de x. F2' de x, c'était égal à quoi? F2' de x. J'ai f de x. Je calcule f' de x. Ensuite, je calcule f2' de x. Dans ce cas, l'exemple qu'on a vu ce matin, deuxième dérivée de f. C'est quoi la deuxième dérivée de f? Vous connaissez, c'est facile. Est-ce que c'est x? C'est 2. C'est 2, exactement, c'est 2. Donc c'est la dérivée de la dérivée. La deuxième dérivée de f, c'est la dérivée f de x. Première dérivée, donc je dérive par rapport à x. Deuxième dérivée, je dérive f' de x. C'est exactement la même chose en image. Donc en image, j'ai utilisé un filtre pour calculer la première dérivée, donc la différence du pixel avec le pixel précédent. Pour faire la deuxième dérivée, je vais calculer de la dérivée. Et ça, donc je vais tomber sur un nouveau masque de convolution qui s'appelle le laplacien. La deuxième dérivée de l'image. Donc si on revient au dessin de ce matin, la dérivée, on avait dit que c'était trouver un minimum d'une certaine fonction. Et quand on avait interprété ça dans l'image, on s'était dit, c'est de trouver les grosses différences dans une image avec un petit pas. Lorsque x avance d'un tout petit pas, d'un pas minimum, je veux trouver est-ce que la différence de la fonction était trop grande ou pas. Donc, lorsque j'étais en mathématiques, je me disais, était descendante, après elle était devenue ascendante. Donc là, la dérivée va être maximisée. Et dans notre image, la dérivée est maximisée lorsque la valeur se rapproche de 255. Pourquoi? Parce que la valeur maximale de mon pixel, c'est 255. La valeur minimale, c'est 0. Donc, la valeur maximale que peut prendre mon image, c'est lorsque les deux pixels seraient différents de 255 valeurs. La deuxième dérivée de l'image, on l'utilisait, si vous vous rappelez, pour trouver ce schéma. Et c'était là qu'on trouvait la deuxième dérivée de l'image, de la fonction, d'une fonction normale. Cette deuxième dérivée, ça correspond à quoi en fait? Ça correspond à un pic dans mon pixel, ensuite un minimum dans mon pixel, ensuite un repic dans mon pixel. C'est-à-dire que je suis dans une image, je vais trouver un pixel qui est égal à 200, ensuite un pixel qui est égal à 0, ensuite un pixel qui est égal à 200. Là, ma dérivée va me donner une grosse réponse. Parce qu'ici, je prends ce cas. Donc, mon premier pixel est égal à 200, mon deuxième est égal à 0, mon troisième pixel est égal à 0. Donc, la première dérivée de l'image va me donner une valeur ici et on s'arrête. On s'arrête, c'est-à-dire que si je fais une deuxième dérivée par rapport à cette image, je ne trouverai pas de pic. Pourquoi je ne trouverai pas de pic? Parce que je l'ai déjà trouvé dans la première dérivée. Je ne peux pas aller chercher une meilleure valeur. Je ne peux pas aller maximiser ça. Par contre, si j'ai eu une descente après une montée, c'est ce que vous appeliez au lycée, rappelez-vous, noqtat inعطاف. Donc, noqtat inعطاف dans mon image, ça veut dire
que mes pixels sont en train de changer de direction deux fois. Donc, grande valeur, petite valeur, grande valeur, ou l'inverse, petite valeur, grande valeur, petite valeur. La deuxième dérivée nous permet, dans une image, de trouver des points, des corners, des coins. Donc, si j'ai une image qui est comme ça, la première dérivée va trouver ceci. Donc, voici mon image. Ça, on va dire du rose, par exemple. Et ici, j'ai du jaune. Donc, la première dérivée, ce qu'elle va me donner, ça va me donner la deuxième dérivée est égale à 0 lorsqu'elle est maximale. Donc, je prends un exemple. Si je vais prendre mon image qui est comme ça, donc ça c'est mon image. Alors, je vais changer ceci. Je préfère utiliser quelques outils. Donc, ça c'est ma première image. Je vais de mon image. Ensuite, ça c'est ma deuxième image. Et ça, c'est la dérivée première de ma deuxième image, seconde de ma deuxième image. Donc, regardez bien. Si j'ai une image qui est faite comme ça, et si j'ai une image qui est faite comme ceci, pour la première dérivée de mon image, donc ça c'est la première dérivée, et je vais dessiner la deuxième dérivée. Je dis ça, mais vous allez très bien le voir dans le TP parce que vous allez vous-même implémenter ça et vous allez voir le résultat d'une première et d'une deuxième dérivée. Donc première dérivée de l'image, en fait, ce qu'elle va me donner, ça va me donner quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, vous appliquez n'importe quel filtre, il va vous donner ici partout des zéros, ici partout des zéros, mais au milieu, il va vous donner des 1. Lorsque je calcule pour le Laplacien, pour la première dérivée, donc pareil. Donc, voici ma première dérivée. Pour la première dérivée, ce que vous allez trouver, en fait, et ce que vous allez trouver avec le filtre, c'est que la deuxième dérivée de cette image va être... Et pour la deuxième dérivée de cette image, ça va être ceci. Ici, une maximisation, une maximisation et une maximisation. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement et un rechangement. Donc, généralement, la deuxième dérivée va trouver les points de coin. Les triangles, lorsque vous avez un triangle, vous allez trouver un point où il y a un double changement dans mon image. Donc, ça, je vous le laisse. Et vous allez trouver ça exactement dans votre TP. C'est-à-dire que vous allez dériver votre première image grâce au gradient, grâce à Sobel et Prewitt. Vous allez trouver une réponse. Mais si le pixel n'est pas un corner, dans la deuxième dérivée, votre image sera noire. Par contre, si vous le faites, il y a des coins, vous allez trouver des réponses seulement sur ces coins. Pourquoi? Parce qu'il y a un double changement dans l'image.
Donc, voilà. Et comment on va trouver justement la deuxième dérivée de l'image? Pareil, avec une approximation en utilisant un filtre. Donc, le filtre, on appelle ça des filtres d'approximation. Pourquoi? Parce qu'à la base, si je veux calculer la dérivée exacte, c'est pas possible. Je suis dans une image. Ma fonction est discrète, elle n'est pas continue. J'aurais été dans une fonction continue, on reviendra sur le signal qu'on allait capter. Mais à partir du moment où on a numérisé notre image, la quantité, le changement dans x, il ne peut qu'être 1. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est seulement des approximations de la dérivée. Exactement la dérivée à n'importe quel point x qui soit dans un intervalle, qui soit continu. Utilisant l'approximation de la deuxième dérivée, on obtiendrait la dérivée, donc le masque du Laplacien, que vous avez vu en cours. On va, pareil, l'utiliser exactement de la même façon que le filtre Sobel est prévu. Donc 0 que je vais multiplier par le premier pixel, moins 1 que je vais... Alors, c'est 0, 1 au premier pixel. Plus 0 fois 6e Alors, oui, c'est j'ai une connexion atroce. Donc, j'ai perdu la connexion sur ma machine. Je suis en train d'essayer de me connecter. Dès que ça reconnecte, on reprend le partage. Alors, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, calcul de la deuxième dérivée, on va utiliser le filtre dérivé par rapport à x, par rapport à y. Calcul de la dérivée en utilisant Prewitt et Sobel. Maintenant, la dérivée, on avait parlé ce matin et on avait dit que l'utilisation. Alors, comment je vais afficher les questions? Donc, on avait dit que. La dérivée d'une image pour trouver. Et en fait, les formes, ça va me servir plus tard, soit pour comparer deux images, soit pour juste améliorer l'image, c'est-à-dire faire un lissage des contours, soit j'ai envie de faire quelque chose d'artistique, je garde seulement les contours.
Mais souvent, le plus souvent, je calcule les deux métriques du gradient. Et là, pareil, on va utiliser une formule très, très, très simple. C'est le gradient par rapport à x au carré plus le gradient par rapport à y au carré. Et je vais trouver la magnitude du gradient. C'est quoi une magnitude? J'ai trouvé qu'il y a un changement. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai envie de quel changement qu'a subi mon image. Est-ce que c'est un petit changement? Par exemple, si mon visage, si je suis en train, si j'ai pris une photo d'un visage avec un fond orange, le changement entre ma peau et le mur qui est orange est petit. Du gradient va être petit. Photo d'un mur vert et mon visage qui est orange, là j'aurai une magnitude grande. Là j'aurai un mode qui est grand, le mode de mon gradient qui est grand. Et pourquoi j'ai besoin de la magnitude du gradient? Encore une fois, on veut comparer des images. L'application la plus répandue pour qui utilise le calcul de la magnitude gradient, image. Et ça ne veut pas repartager. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que c'est bon pour le partage? Très bien. Très bien. Donc, la magnitude du gradient, comment on calcule ça? On a vu comment on a qui est inférieur ou la taille est inférieure. Si j'ai fait un padding, si j'ai rajouté des pixels de bord, dans ce cas-là, j'aurai la même taille. Si je n'ai pas rajouté les pixels de bord, la taille du gradient va être plus petite. La taille de l'image du gradient va être plus petite. Pourquoi j'ai une image du gradient? Parce que chaque pixel a son gradient. Je cherche une différence de pixels dans chaque pixel de mon image. Et maintenant, donc, si je veux calculer le gradient, je vais prendre chaque pixel de mon image et je prendrai, par exemple, le gradient, la magnitude du gradient du premier pixel, 57 au carré plus 12 au carré et je fais la racine. Donc, j'aurai un scalaire. Bien. Donc, je vais prendre ceci. Si Donc ça, c'est mon image. Alors, mon image a résulté par x. Maintenant, j'ai pris chaque pixel de mon image du gradient. Donc, chaque pixel de mon image de gradient, ça au carré, plus ça au carré, ça me donne une valeur. Ensuite, ça valeur, un gradient. Qu'est-ce que ça sera à votre avis? Est-ce que ça sera une valeur? Est-ce que ça sera une matrice? Est-ce que ça sera deux matrices? Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi, madame? Vous pouvez répéter la question? Alors, je répète, mon image, c'est celle-ci. Ça, c'est mon image, I. Ça, c'est la dérivée de I par rapport à X, on va dire. De I par rapport à Y. On sait que je calcule la magnitude d'une image, la magnitude du gradient. C'est quoi la magnitude? C'est le poids de mon gradient.
combien il y a eu de changements. Je sais que le gradient me donne le changement avec un petit passage, une petite augmentation de x. La magnitude va me calculer combien est intense ce changement. Et on a vu la formule du calcul de la magnitude. On a dit que c'était le gradient par rapport à x au carré plus le gradient par rapport à au carré, donc le mode du pixel dérivé de g i j au carré. Je racine et j'aurai un scalaire. Je reviens sur mon schéma. Voici mon image. Voici ma dérivée par rapport à x et voici ma dérivée par rapport à y. Je sais que la dérivée par rapport à x est de quelle taille? Si mon image est de taille n fois m. N fois m. Quelle sera la taille de ma dérivée par rapport à x? C'est n fois 1, mais tu bédèles. Ou la nahwa dit que tu as n moins 1 fois 1 moins 1, oui. Quoi comme si on rajoute chez n moins 1, ça dépend de la taille du filtre. Attention, n moins 1, 1 moins 1. Si j'ai un filtre de 3 fois 3, Le padding. voilà. Donc c'est n fois m, le Kenzido, le padding. On est d'accord. La dérivée par rapport à y, c'est quoi sa taille? Kif Kif kif, n fois m, si je rajoute mon padding. Très bien. Donc j'ai une dérivée par rapport à x, j'ai une dérivée par rapport à y. Je veux calculer la magnitude de ma dérivée, la magnitude de mon gradient. En fait, mon gradient, c'est quoi? Pour chaque pixel, c'est un vecteur. kif. X, dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y. Oui, c'est C'est ce le qu'on avait ce module. matin. C'est le module, exactement, le module. Donc, le module, ah oui, là que vous appelez au lycée. Donc, le module de mon gradient. Je calcule le module. Et quand je calcule ce module, quel sera le résultat? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est une matrice? Est-ce que c'est trois matrices? Quel sera le résultat ici? Le Résultat module gâté du nouveau matrice. de toute ma matrice. Donc, le résultat, c'est une nouvelle matrice de taille n Une fois n. matrice, une nouvelle matrice. De taille n fois Très n. bien. Est-ce que c'est une seule ou bien c'est deux? Est-ce que c'est une seule matrice ou bien c'est deux matrices? De 1 fois 1, mais tu bédèches, La matrice Tana. Est-ce que Kaina a une seule matrice a comme résultat ou là, nous avons la dérivée par rapport à x par rapport à y? Nous avons deux matrices dans le module. Est-ce que ça sera un seul ou est-ce que ce sera deux? Réfléchissez. C'est le module. Et c'est un Le seul, module de madame, chaque merci. vecteur. Très, très bien. Très, très bien, Abdelkader. C'est un seul. C'est un seul. Parce que j'ai pris ce pixel et je les ai sommés et j'ai fait la racine. C'est le module. Tawil-et-choua, c'est un seul scalaire. Ce n'est pas deux valeurs. Ce n'est pas un autre vecteur. C'est un scalaire. Et cette valeur, je vais la mettre dans le premier pixel. Je fais la même chose pour le deuxième pixel. Donc la dérivée au carré par rapport à x, dérivée au carré par rapport à y, je somme, je fais la racine et j'aurai le module de mon deuxième pixel. Et je répète ça pour toute ma matrice. Et je suis sûre que la taille de ma dérivée par rapport à x est exactement égale à la dérivée par rapport à y. Et dans ce cas-là, je peux calculer mon module, qui est le module du gradient, qui est la magnitude du gradient. Une matrice exactement égale. Maintenant, l'orientation. Donc ça, on a vu. La magnitude du gradient. Combien l'image, combien le pixel a changé. Maintenant, je veux savoir dans quel sens il a changé. Quelle est son orientation? Et l'orientation, vous le savez, c'est un cercle
avec de pi, de 0, pardon. Alors 0, c'est peut-être où? Jusqu'à 6. Donc l'orientation de mon vecteur, je la calcule en utilisant pareil le gradient par rapport à x et le gradient par rapport à y. J'ai un vecteur ici, le vecteur du gradient. Je veux connaître son orientation, je veux connaître son angle. La couleur dans quel sens est en train de partir. Donc je calcule l'orientation et là je vais utiliser la tangente inverse, donc l'arc tangente de dérivée par rapport à y sur dérivée par rapport à x. Donc en fait, je prends la valeur que j'ai ici et la valeur que j'ai ici, je vais diviser cette valeur, donc la dérivée par rapport à y sur la dérivée par rapport à x. Ça, c'est un scalaire et ça, c'est un scalaire. Donc, le résultat va être un scalaire et je vais chercher quel est l'angle qui me donne ce gradient. Quel est l'angle qui me donne plutôt cette division? Cette division du gradient par rapport à Y, par rapport à Y, orientation. C'est exactement la même chose. Donc, j'ai calculé pixel, j'ai trouvé une matrice finale. Je calcule l'orientation pour chaque pixel. Quel sera le résultat? Si on suit le même raisonnement, le résultat de ce calcul, donc j'aurai la dérivée par rapport à Y sur la dérivée par rapport à X, je trouve un scalaire. L'arc tangente, c'est quoi? C'est l'inverse de la tangente. Donc, quel est l'angle qui va me donner la valeur d'arc tangente, de tangente? Soit 0, sur. Ça va être quoi? Le résultat du calcul de ces angles. Ça va être un scalaire, ça va être une matrice, ça va être deux matrices. Qu'est-ce que ça va être? Madame, je n'ai pas compris votre question. Vous voulez dire que Pour cette image n fois la m, j'ai θ. trouvé, je La calcule θ, l'arc. normalement, g est égal moins pi sur 4. Comment? Sur Qui fait 4, chaque grade? normalement, madame. Madame, Oui, ça oui, c'est à quand? Kitlagi, je suis. Là, 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 là. Mais c'est 3 pi sur 4. Non. Ok. Normalement, j'ai Après, c'est moins ma pi sur θ, connexion. Je suis madame. désolée, c'est vraiment. Moins pi sur 4. Là, là. Là, là, Abdelkader. Non, ça dépend. Ça dépend justement. Une orientation différente. Et c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de calculer l'orientation pour chaque pixel. Il y a l'image et il y a chaque pixel. C'est la dérivée. C'est la dérivée par rapport à x, c'est la dérivée par rapport à y. J'ai deux matrices. Wahda qui représente la dérivée par rapport à x, wahda qui représente la dérivée par rapport à y. Bah, c'est la magnitude de ce gradient. C'est la matrice qui est basée sur les deux matrices. La dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y, j'ai pris chaque valeur de la dérivée du pixel au carré, dérivée par rapport à y au carré,
On a trouvé, vous m'avez très bien dit, Abdelkader, qu'on va trouver une matrice qui est de taille n fois m. Donc, quand je fais la même chose, on sait la magnitude. Quel a eu le changement? Dans quelle direction? Dans quelle direction l'orientation? C'est-à-dire, est-ce que l'intérêt, ma fonction f de x, y, est-ce que la est mutazaïda, est-ce que la est mutanaïda, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, de l'information, chaque image, l'orientation. Theta, ça dépend de mon image, ça dépend de ce pixel. Donc si je reviens ici, je dois repartager. On dérive à Mayas. On dérive par rapport à x, on dérive par rapport à y. On est tout à fait d'accord. La dérivation par rapport à x, la dérivation de l'image par rapport à x me donne une première matrice. Par rapport à y me donne matrice. Donc, wahda nsemmiha par rapport à x, wahda nsemmiha gradient par rapport à y. Ça, on est Je d'accord. parle de l'angle, Par je contre, parle de l'angle, l'angle. Puisqu'on a deux matrices, l'angle. il faut vérifier sur les deux matrices, non? Justement, non. Voici notre formule. Donc, je repartage parce que mon écran est embêtant. Donc, regardez bien notre formule. Le module, je vais prendre la dérivée par rapport à x que je vais mettre au carré, plus la dérivée par rapport à y que je vais mettre au carré. Et donc, j'ai utilisé les deux valeurs des deux matrices. C'est pour ça, comme a dit Abdelkader, mon résultat va être une seule matrice. La magnitude x et la magnitude de y. Non, c'est la somme. Parce que c'est un vecteur. La magnitude, je calcule la magnitude d'un vecteur. Je calcule le module d'un vecteur. C'est une seule valeur. Ce n'est pas deux valeurs. Mais pas où il est choua. Si je reviens dans vos mathématiques. Donc, c'est un choix. Je vais faire x au carré plus y au carré et je fais la racine. Et ça va me Oui. donner had tawila. Donc, c'est une seule valeur. Qu'est-ce l'orientation, c'est-à-dire had le θ. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x divisé sur x et je vais faire la tangente moins 1. Tan moins 1, donc c'est l'arc tangente de y sur x, je vais trouver un seul θ. Je ne vais pas trouver deux θ. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et donc, si je reviens sur mon image, j'ai ici un pixel. J'ai ici un pixel. Pour ce pixel, je veux calculer son orientation, le résultat. Est-ce que ça sera deux angles ou bien un seul angle? Un seul. Un seul. Donc la matrice résultante de l'orientation du gradient, ça va être quoi? Matrice par rapport à la matrice en entrée. Une. Une seule matrice. Et à l'intérieur de cette matrice, qu'est-ce que je vais trouver? Prendre Un angle. un angle que j'ai calculé exactement avec cette formule. Cette formule qui est la base, c'est de la géométrie basique. Donc c'est, enfin, je pense que vous avez fait ça en première année. Peut-être que vous n'avez pas trop avancé, mais c'est vraiment basique. Donc j'ai envie de trouver le module y au carré. Mais moi, mon x, c'est quoi? C'est un point. Plus la dérivée par rapport à y au carré. Est-ce que je veux trouver les coordonnées polaires? Je ne veux pas trouver les coordonnées polaires. Enfin,
Tu peux voir ça, je dois vérifier comment on calcule exactement les coordonnées polaires. Est-ce qu'on veut trouver les coordonnées polaires? On va plutôt C'est-à-dire, dire madame, pour pour chaque chaque pixel, pixel, oui. Quel نحسبوا effectivement? le modèle تاعو Oui. والانجل، سي سا هكا. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est les OK. coordonnées polaires. Enfin, je dois quand même vérifier les coordonnées polaires. Effectivement, on a un θ. Donc, les coordonnées polaires, ce sera un angle. Et la deuxième valeur, est-ce que c'est la Le magnitude? modèle تاعو madame. Le module. Donc, c'est ça. Donc, c'est les coordonnées polaires. OK madame. Dans le traitement d'image, je cherche ces coordonnées, si vous voulez, les coordonnées polaires. Je vais rester sur le cours. On appelle ça donc le module du gradient ou bien la magnitude du gradient et l'orientation du gradient. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser plus tard pour comparer des images. Je prends deux images, le gradient et je calcule l'orientation du gradient. C'est ces valeurs qui vont me dire est-ce que cette image ressemble à cette image ou pas. Histogramme. Vous avez déjà fait le TP1, on s'était lancé, donc l'exercice 1, on s'était lancé sur les histogrammes. Et je vous ai dit, si vous vous rappelez, je peux comparer personne ressemble à cette personne juste en comparant les histogrammes. Mais les histogrammes, parfois, ce n'est pas suffisant. Chose qui soit plus forte. Et quelque chose qui est plus forte, c'est justement le gradient, la magnitude et l'orientation. Et on va voir plus tard avec des descripteurs tels que histogram oriented gradient, ou bien scale invariant feature transform, ou bien speed up robust feature. C'est basé sur une magnitude de gradient, une orientation du gradient. Ensuite, on construit un histogramme. L'histogramme que vous avez construit précédemment, c'était un histogramme X était de 0 à 255. Maintenant, les X, ça ne va pas être de 0 à 255, ça va être les orientations. Les orientations de 0. Et là, chaque pixel aura sa propre orientation et on va calculer le nombre de pixels qui ont telle et telle orientation. Et ça, c'est une mesure qui va me permettre de dire cette photo de Brad Pitt ressemble à cette photo de Brad Pitt aussi, mais ne ressemble pas du tout Keanu Reeves, l'exemple qu'on a vu ce matin. Cette photo de chien ressemble à cette photo du deuxième chien. Pourquoi? Parce que le gradient, la magnitude du gradient et l'orientation du gradient est similaire, mais cette photo de chien ne ressemble pas du tout à cette photo de chat. Pourquoi? Parce que la magnitude du gradient et l'orientation du gradient est complètement différente. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai calculé et on a très bien vu. Donc, le module de mon image, ça va être une matrice fois M. Et ce que j'ai ici, c'est gradient par rapport à x au carré plus gradient par rapport à y au carré et je vais trouver cette valeur. Donc, je vous donne le corrigé et prenez le temps de vérifier ces calculs et de comprendre comment on a eu ces calculs. Donc en fait, c'est très simple, c'est l'application d'IV. Et l'arc tangente, c'est la tangente inverse de la dérivée divisée sur la dérivée par rapport à x. Donc ici, je pense que c'est mieux d'avoir la division au milieu qui est plus longue. Comme ça, on sait que ça, c'est une dérivée par rapport à x et ça, une dérivée par rapport à y. Et ce qu'on va trouver, voici ce qu'on va trouver. Donc ça, c'est les orientations de mon gradient. Ici, vous les avez en degrés, mais vous pouvez les trouver en pi, bien sûr. Ils ont pi. Voilà, donc c'est ce qu'on avait. Je pense qu'on n'a plus le temps. Sinon, on aurait fait un petit peu de binarisation qui est tout aussi importante dans votre domaine. Je vais vous laisser le temps de digérer tout ça. Donc voilà, on a calculé la dérivée, on a commencé à démontrer comment les gens ont obtenu de convolution et d'où vient l'idée des filtres de convolution. Ensuite, à partir de cette convolution, on a extrait
le gradient, donc la direction du gradient, la direction qui est l'orientation, le θ, et l'amplitude. L'amplitude de ce gradient, ou bien la magnitude de ce gradient, ou bien le module de ce gradient. Ça résulte en deux matrices. Le gradient lui-même résulte en deux matrices. L'orientation du gradient résulte en une seule matrice. Le module du gradient résulte en une seule matrice. Et on va utiliser ces matrices, plus tard on va le voir, pour faire de la classification d'image. Inch'Allah, on pourra arriver à la classification d'image parce que c'est très très important dans votre domaine. Vous devez vraiment voir de la chose. C'est bien de comprendre les fondements mathématiques. Même si vous allez demain travailler, on va beaucoup vous demander est-ce que vous avez un solid mathematical background. Vous avez besoin d'un background mathématique très solide pour comprendre toutes ces notions parce que l'ordinateur, c'est de la géométrie, beaucoup de géométrie, c'est du traitement de Silial. On ne va pas rentrer beaucoup, mais on va essayer d'utiliser les notions qu'on connaît. Et c'est même des probabilités et des statistiques. Et on l'a vu dans les histogrammes, on le verra, Inch'Allah, dans l'apprentissage automatique. Vous remercie dimanche Inch'Allah pour une heure de TP.